YouTube, bonjour, bienvenue pour ce 14e épisode. Bonsoir Fury. Bonsoir Lanou. Ça va bien? Bah ça va nickel, depuis le temps ça va et toi? Oh ça fait longtemps mais ça va bien. Ouais. On est reparti sans plus attendre je pense. On y est presque. Et j'arrive. C'est là. T'as entendu tout ce temps. Ouais, ouais. C'est bien, t'es docile. Je préchoute tes blagues et je te les interdis. Commençons. La pierre en ta possession est le galet blanc, n'est-ce pas? Le Pokémon légendaire Reshiram qui doit s'en extirper et Zekrom qui parcourt déjà notre monde ne faisait qu'un autrefois. Ce Pokémon dragon unique, il a construit un pays parce qu'il était aidé par des héros, des jumeaux. Et comme ça, les gens et les Pokémon y vivaient très heureux. Mais un jour funeste, les héros jumeaux se querellèrent. L'aîné était en quête de réalité, lequel avait soif d'idéal. Commença alors leur combat pour déterminer lequel d'entre eux détenait la vérité. Le dragon qui les accompagnait se scinda en deux, et chacun des jumeaux se retrouva avec un allié à ses côtés. Zekrom, le dragon noir, en quête de l'idéal, ouvrant la voie vers un nouveau monde, de possibilités et d'espoir, et Reshiram, le dragon blanc, en quête de la réalité, guidant sur le chemin qui mène à un monde de paix immuable. Et c'est le motif correct, c'est le motif exact, puisque cette version, N possède Zekrom, donc en recherche d'idéal, son idéal à lui, et eh bien pour ma part, qui suis le héros, eh bien, je vais posséder bientôt Reshiram, qui est le Pokémon de la réalité, en fait. Ouais. Comme ces deux Pokémon ne faisaient qu'un à l'origine, leur combat fit rage, sans que se profilât un vainqueur, la lassitude, la seule, triomphait. Aucun des deux héros ne détenait la vérité absolue. Arrivé à cette conclusion, ils mirent fin à leur affrontement. Mais les héros des enfants ont recommencé à se battre. Zekrom et Reshiram ont détruit Nice avec leurs femmes et leurs éclairs. Et ils ont disparu. Les Pokémon n'auraient jamais fait une chose pareille si les gens les avaient écoutés et respectés. Zekrom et Reshiram, au début, ils avaient construit un pays. Comme tu dis vrai, ces Pokémon étaient dénués de la parole. Les humains leur prêtaient des attentions ô combien fausses et leur infligent par la même bien des souffrances. Mais cela doit cesser. Nous devons créer un lien de confiance réciproque avec les Pokémon et suivre cette ligue sans dévier pour une vie meilleure. C'est bien vrai. C'est pour ça que je pardonnerai jamais à la Team Plasma. Ils sont tellement méchants. Ils veulent nous séparer des Pokémon. M'excuse d'avoir laissé dévier la conversation. Mais hélas, nous n'en savons pas plus. La clé du réveil des Pokémon Dragons de la légende demeure inconnue. Ah! Tu dois maintenant tenir la promesse faite à Goya. Il te faut obtenir le badge de Janusia. Très bien, Lanou. Je t'attendrai à l'arène pour t'affronter. Et voilà! Je suis déçu que ce soit pas Iris quand même, la championne. Non, Iris est dans ma version. Eh ouais. Eh, entre nous, Iris, elle a un petit air de Nabiletta. Ah bah bien sûr. Oui, bien sûr. Et c'est totalement assumé, je crois, hein, d'ailleurs. Oh, ça je sais pas. Mais... Il me semble. Hein. En tout cas, je dis qu'il y a un truc, hein. Cheveux violets. Ah bah oui. Mat. Bah si tu regardes aussi ses vêtements. Ouais. Attends, je lui ai dit non sans faire exprès. Oui. Pas peut-être comprendre quand on fait, tiens. Une putain de mire. Attends quoi? Point de mire, s'il fait tenir un Pokémon, devient sensible au type normalement sans effet contre lui. Le Pokémon Spec devient sensible au capacité normale. Très difficile à utiliser. Non, je fais pas de stratégie, merci. Allez! Et est-ce qu'on irait pas à l'arène? Bah, c'est. Allons, hein. Chaud patate. Alors, j'ai un peu peur de me faire détruire en vrai. Je peux vous mentir. Parce que j'ai un coupe-note que level 30. Hein. Ouais, 33. Mais bon, c'est pas grave. On va faire avec. Alors, on se retrouve après la pub. Alors, j'ai du code si tu veux. Non, je pense que ça va le faire en vrai. Attends, j'utilise juste cette tour un peu chelou. Ton coupe-note, il y a encore de l'énergie à revendre. Oui, je sais. Il devient trop super futuriste, ouais. Ouais, j'ai trop hâte d'être adulte. Ok. Elles sont cheloues leurs maisons quand même. Hein. Le rez-de-chaussée, c'est un peu une maison de Zelda avec trois pots. Y'a rien. Et en haut, y'a tout dans une même pièce. Ouais. C'est vrai que l'arène, je la trouvais bien stylée. Je sais pas si tu t'en souviens. Pour le moment, non. Enfin, moi je la trouvais bien stylée pour l'époque. Mais peut-être qu'en rentrant dedans, je m'en souviens.
On va voir ça. Oh, pousse, toi, t'es grosse. Ok, je sais même plus où est la reine. Au nord de la ville. Mais lors du combat. Elle est là. Probe. Ah, j'avoue qu'elle est pas dégueu. Oh là là là. Ta 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 ta. Oh là. Oh là! La reine au dragon des genus y attend que les dresseurs téméraires essaient de suivre un chemin. Ok, et eh bien en avant, monsieur, après 5 minutes d'épisode déjà. En même temps, on a eu l'histoire de Watson, donc. Oh, Watson. Oh, il s'appelle Beau. Il est beau. Ah non, pas trop. Pas trop, pas trop. Eh ben, il a déjà un incisage, le pépère, hein. Bon. Incisage, je le trouve bien. Je vais me faire détruire, en fait. Bah ouais. Oui, je vais me faire détruire. Ils ont. Il a 10 niveaux de plus que moi. Tu lui as mis le multi-XP sur ton. Ouais. Mais seulement ma plante. Tu utilises les autres pokés. Ouais, ouais, je vais faire ça. Il va falloir que j'aille heal mes autres pokés, du coup. Je vais ressortir. Ok, bon. C'est bien ce que je me disais, messieurs, hein, voilà. Coupe note level 33, c'est trop peu. Évidemment. Merde, attendez, what? J'étais où là dans la ville? Ok. Je suis perdu, au secours. Terrible. Je sais pas sur. Sur Dragon, je pourrais utiliser quoi d'autre? Ouais, fée, glace. Ouais, c'est tout. Il n'y a pas fée à l'époque, mais glace, ouais. Dragon, ouais. Et ouais, et comme j'ai rien de tout ça, eh bien on va se carrer le. Hein, hop. Coupe note, on va leur. Ouais, Darumacho, je pense que c'est le plus worse. Il a le plus de PV. Il a des états de combat qui font bien, je suis bien mal. Allez, go. On va faire avec. Ah, c'est vrai qu'elle est stylée, la reine. C'est bien vrai. J'aime bien sa bouche et tout. Enfin, je sais pas si t'as vu, mais. Non. Ah, spoil. Non, mais. Je m'en souviens, c'est le dragon qui se déplace. Hop. Da-da-da-da-da-da. Sorushi. Solochi, je l'ai trouvé toujours un peu mystérieux, enfin, ainsi que ses deux évolutions, je l'ai toujours trouvé un peu mystérieuse. C'est. Je sais pas, c'est en mode. Je sais pas pourquoi. Je vais être honnête, j'aime bien Solochi, mais j'aime moins ses évolutions. Ah ouais? Ouais. Genre, okay. Après, ils ont trois têtes. Ouais. Je sais pas. Deux et trois. On m'a jamais hype. Les trois têtes. Ok. Est-ce qu'il mange par les trois têtes? Oh, tu poses trop de questions par contre. Alors là. Est-ce qu'il y a une tête qui décide par rapport à l'autre? Pour moi, c'est celle du milieu. Celle du milieu qui prend les décisions. Je sais pas, je me suis jamais posé la question en fait. Je sais pas. Non, je pense aussi, mais je préfère toujours préférer Solushi aux autres. C'est vrai qu'il est. Aussi, il a une tête. Il est simple. C'est vrai. Poil. Oh. Vraiment. Vraiment. 6H. On va pas changer. On va essayer surpuissance. Spra! Voilà. Ça c'est fait. J'ai eu le heal évidemment monsieur l'âme parce que il a un peu souffert. Hyper potion utilisée sur Darumacho. Voilà. On descend sur la papate, on la fait monter. Hop. Hop, la tête bouge vers le haut. Ce qui est d'ailleurs très mal animé, c'est très très moche.
Disons-le clairement. Tu peux mieux faire, toi. Hein? Tu peux mieux faire, toi. Oui, c'est vrai. Après, à l'époque, bon... Fallait faire... À l'époque, ça voulait, on était sur DS, hein. Bah ouais. Je sais pas. Moi, ça m'a jamais choqué. Bah non, non, c'est sûr que non. C'est que maintenant, moi, que... Un 6H. Encore? Mais non, vous avez pas beaucoup de personnalité, hein. Pas beaucoup de personnalité, hein. Mais bon, pas grave, pas grave. Je ne vous en veux point. Oh, vraiment. Je suis tellement deg. Et comme maintenant sa vitesse a augmenté, il va me speed. Oh non! Oh, nice. Incroyable. Ou peut-être une niveau 34. Oui, mais c'est pas assez. En plus, il évolue au niveau 36, donc bon. C'est pas du tout, hein, autant dire. Hop, un deuxième dragon. Que l'on ne pouvait pas voir tout à l'heure. Et là est toute la subtilité. Eh oui. C'est très subtil. Le plus, c'était là. Ça avait fort pu arriver jusqu'ici. Je peux pas me retenir pour autant. Ouais, ouais, c'est ça. Vénérable, Sam. Dracarmin. Ah voilà, c'était Dracarmin que je pensais qu'il était dans le raid hier soir. Mais pas du tout. Ah. Non. Bah justement, moi je pensais que c'était Trioxydre. Parce que je sais pas, il avait genre. Les griffes dans ma tête, on aurait dit des têtes. Ah ouais? Ouais. Enfin, ok. Je trouve que le sprite est. Pas ouais. C'est vrai. Bon, je pense qu'il est un peu universel pour tous les Pokémon, pour les grands oiseaux dans Sword, non? À mon avis. Non, je crois que c'est chaque Pokémon a son propre sprite. Hein. Ah bon? Ah oui. Ah ouais, ouais, c'est peut-être vrai. Ouais, donc du coup, il est vraiment mal fait, alors. Parce que sa tête a été carrée, enfin bref. Ça allait vraiment pas, quoi. Ok, là, y'a rien. On va là. Et du coup, la tête va monter. Ici, what? Allez. Ah oui, ok. Je vois, je vois. Ça y est, t'as compris. Je crois. Je crois bien. Sologie. On va faire marteau point, peut-être qu'on va le one shot. Ouais, je doute. Ah si, c'est bon. Ok. Un 6H, on va pas changer. Level 39, on va refaire marteau point. On one shot aussi, ça c'est bon. Hop. Et Dracarmin, on va pas changer de Pokémon non plus. Et on va faire surpuissance. Hop. Voilà. Level 39. Quasiment one shot. Malheureusement il a peau dure. Dracarmin, c'est pas très grave ça, pas me tuer. Et point de feu si possible. Oui, c'est bon. Allez. On est bon. Level 48. Et le coupé note level 35. Incroyable. Ok. Tac. Rebelote. What? Attendez. Ça me mène où ça? Ah si, voilà, faut bien faire deux fois ce dragon, c'est bien ce que je me disais. Je n'étais point sûr. Il
Il y a une guérison, un truc qui répare, enfin qui soigne les PV et restaure les PP. Ah non. Non, il n'y a pas. Hein. Non. C'est pas grave. Enfin, si, le sein de Pokémon, mais c'est tout. Ouais, d'accord. J'en ai pas dans ma poche, disons. Ah, c'est bon, ça. Connais fort. Pardon. Je me demande comment tu te bats. Tu vas voir ça. Hop, marteau point. Et one shot, on est bon. Et Dracarmin, on change pas non plus. Et on va refaire une surpuissance. Spray. Peau dure. Point de feu. Yes. On est bon. Voilà. Tac, la papatte. Et la tête qui remonte. Voilà. Juste vérifier où ça mène. Il y a combien de dragons en tout? 3, hein. Putain, elle est encore là, elle? Encore une? Pensais pas qu'ils étaient aussi nombreux. Punaise. Ah là là, encore un vétéran. Cisache. Ah! J'ai pas rempli les PP, quel enfer. Marteau point. Vite l'attaque. Bon, on va se faire détruire cette fois-ci, hein. Et vite l'attaque, et bah yes. Provoque, t'inquiète pas, je vais répondre. Il est débile cet incisage. Dracorif. Ouais, non, j'ai rien dit. Aïe, aïe, aïe. Ok. Mais bon. Coupe-note, machin. Incisage encore. On va pas changer. On est d'accord que Watson, il a un Dracarmin et l'évolution d'un Incisage. Oui. Ouais. J'ai plus de PP. Tu devrais les tuer avant de ouais. faire le champion. Bah. Eh oui, j'ai blessé, je suis con. Ou alors, comment dire? Coupe-note. Est-ce que Coupe-note va arriver à haute speed Incisage? Oh, je pense pas. Tranche. Dracorif, je suis 100%, moi je suis mort. Voilà, tant pis. Allez, on aura essayé. Tant pis. Bon, je vais faire l'arène avec tous mes autres Pokémon, du coup. Eh mais... Il y avait bon courage. Oh, c'est Freeze, qu'est-ce que c'était? Oh, je vais save. Ouais, j'ai eu des énormes Freeze, pas toi? Bon, non. Ouais, c'est sur la tête du troisième dragon. Enfin, à côté de la tête du troisième dragon. Ici, je suis déjà passé. Là, ok. Juste mettre là. Hop. Et la tête qui monte là-haut. On est bon. Est-ce que tu penses que je peux utiliser le téléporteur de Watson qui est derrière Watson sans le combattre? Oui. T'inquiète. Ok. Il a dû me voir passer en mode. Mais il est complètement con. C'est quasi fou. Tu imagines en mode.
Dans la vraie vie, ça serait vraiment marrant. Ça serait tellement drôle. T'imagines, tu cours à côté d'un mec, tu prends le téléporteur qui est derrière lui, parce que, alors que tu dois le combattre, et tu dis rien. Ça doit être si drôle. Tu marches à côté de lui, tu le regardes dans les yeux. Ouais. Et tu pars. C'est ça. Le mec doit se dire, mais... Ok. J'ai pas tout compris. Ouais, c'est ça, en mode... Pourquoi ? Et le combat, du coup. Ouais. Tu sais que t'as pas le badge ? Bon, il est parti. C'est ça. Bon, il repassera. On va attendre. C'est ça. On va rester là. Hein. Ah, déjà, je me fais défiler. Reste là toute la journée. Ça sera tellement, ça va être horrible. Bon. Voilà. Tellement. On va. Hop, se refaire les phases de. Les dragons. Vite fait. Tac, ça va aller vite. Ça va plus réussir à combattre, évidemment. T'imagines, les dresseurs, ils doivent faire ce chemin-là tous les jours pour y monter, pour faire, pour aller se positionner. Ouais. Et tous les jours, ils passent leur journée à se faire détruire par des mecs. Ça doit consommer de l'électricité. Ouais. Faire bouger des structures aussi énormes. C'est peut-être du papier mâché, hein, après. Ouais, mais bon, faut quand même le faire bouger. Oui. Je peux pas aller là-bas. Ouais, c'est vrai qu'il pense pas trop à la nature. Hein. Encore, mon dieu, mon père, il y avait des éoliennes, mais là... Bah ouais. C'est vrai. Ils ont les coups un peu tordus, quand même, les dragons. Ça donne c'est les dragons chinois pour ça. C'est des ficelles. Je vois. On les appelle les ficellos dans le milieu. Ficellos, putain. Fatigue. Ah là là. T'es pas du tout au bon niveau, toi, mon petit père. Oh, t'embête pas, t'es pas obligé de chanter. Bâtard. Ok, merci. Voilà. Hop. Je remets comme ça. Une fois celle de gauche. Tac. La tête va remonter. Voilà. On va pouvoir y aller. C'est vrai qu'elle était stylée cette arène. Hein. Punaise. Rien à dire. Hein. C'est dégueulasse. Ouais, je confirme. C'est là-bas ? Non, c'est à gauche. Hop. Et on est bon ? Bah oui, voilà. Allez, après 23 minutes d'épisode, messieurs, on est parti pour Watson, le champion de l'arène. Dragon. Dragon, c'est ça, de Janusia. Moi, je cherchais le nom de la ville. Ah, tu cherchais le nom de la ville. Juste vérifier. Je te pardonne. J'ai donné une baie à Doré Macho. C'était une baie citrus, c'est mieux qu'une baie orange. Ah ouais ? Oui. Pourquoi ? Ça met ça dans plus de PV. J'ai pas de baie citrus, voilà, hop, c'est comme ça au moins. C'est fait. C'est fait. Allez. Juste re-save sur la même que tout à l'heure. Hop. Et messieurs dames, on est parti. Je suis enchanté de te revoir. Je me nomme Watson et je suis le champion dévoué de la reine de Janusia. En tant que maire de cette ville, j'ai investi toute mon énergie dans son développement. Et tout mon argent dans cette arène. Pardon. Et en tant que dresseur, je n'aspirais qu'à davantage de puissance. Désormais, je n'aurai plus que d'un futur radieux que pourrait me montrer un jeune dresseur plein de vie. Puis j'espérais qu'à l'instar d'Iris. Toi, tu montres aussi cette lumineuse voix. Combat! J'ai dépensé sans compter. Un peu ça. On est bon. Un 6H.
Ah d'accord, donc c'est un cisage, trois quarts main et l'évolution d'un cisage. Ok. Bon, en avant. Surpuissance directe. J'espère jouer one shot. Oui. Ok. Faut que je fasse le plus vite, le plus de dommages possible en fait, spécial. Braquard main, on va pas changer. T'en as où, soit de l'arène? Tu l'as battu? Non, je commence. Ok. Le refaire surpuissance. Surpuissance, pardon. Oh, Bifi seulement, quel enfer! Oh là là. Très carmin, là. Ok. Mais il a peau dure, c'est chiant. Ouais. C'est juste. C'est pas très agréable. Toujours plus? Ce qu'il m'a mis? Je vois! Tu es un adversaire difficile? Non, mais c'est bon, j'avais juste une Béoran. Ok, la remache aux puissances, on est bon. Normalement, je devrais finir son braquard main. Non, punaise! Son pot dur me met vraiment 12 de damage, punaise. 22, pardon. Bon, eh bien, la remache est décédée, c'est pas grave. K.O. Alors, on va sortir que l'amiral. Que je devrais one shot avec on va valider, voilà, hyper potion, c'est pas ce que je me disais. On va faire une coquille lame, une ouais coquille lame. Ah, c'est pas efficace. Je vais essayer hydro queue. Je dois le faire comme ça. Tranche nuit. Laissé par le crâne, normalement l'hydrocule finit si j'ai bien calculé mon coup. Non, punaise. Oh là 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 là. Ok, c'est le casque qui va le finir, c'est pas grave. Je vais switch sur un autre Pokémon, je pense, pour pouvoir heal. Couper notre Pokémon 36. Une attaque glace sur ton Clamiral. Je crois que j'en ai pas. Ça aurait été pas mal. Ouais, mais bon. Ça aurait pu. Provoque, non, non, c'est nul. Hein? Vas-y, me provoque, t'inquiète. À la place de ta meilleure attaque. En chelon. C'est bien ce que je me dis. Alors, on va changer. Je vais sortir Colombo. M'en fous. Et je vais en profiter peut-être pour heal. Pour heal soit Darumacho. Il faut que j'ai un rappel max si je veux heal Darumacho. C'est maintenant que tout va se décider. Qui a le plus d'attaque? Ah ouais. Tant qu'il fait le plus de dégâts, peut-être. Bah, Darumacho a surpuissance, quoi. Ouais. Ok, allez. On va essayer. Après, est-ce que j'ai un rappel max? C'est ça aussi la question. Son statut. Oui, j'ai un rappel max. Ok. On utilise rappel max dans ce Draco. Et je vais pas changer pour Darumacho maintenant. Je vais heal aussi que l'amiral, je vais en profiter. Parce que là, si je suis sur Darumacho, le tranchonon va me le one shot. Donc, Bon, mais fais gaffe, là, tranchonon il a l'attaque d'un Draco. Ouais, mais voilà, là. Voilà. Et ça va augmenter sa vitesse et son attaque. Du coup, il va te outspeed. Tant pis. Surpuissance. Ouais, il outspeed. Non, il refait dans Draco. Je fais surpuissance. Ça touche. Oh, ça met bien l'eau, ça. Ça, c'est bien. Et on va essayer un marteau point pour finir. Hyper potion. Putain, j'aurais dû refaire un. Ah, je suis débile. Je suis bête. Je l'ai pré-shoot tout à l'heure. Pourquoi pas une deuxième fois? Oh, je loot speed vraiment. Let's go. Oh, c'est si facile. Pardon, c'est faux. Ah là 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 là, tranche donc KO. Vas-y, j'ai. Oh, en vrai, il a de choc. Il aurait eu mot de speed deux fois. Quel est donc ce sentiment brûlant qui remonte en moi après cette défaite? Prodigieux! Je te suis reconnaissant d'avoir pu livrer un tel combat. Quel plaisir! Le huitième badge. Tu
tu es prêt pour la lire. Le badge mythe de Watson. Si je ne me trompe pas, tu as en ta possession tous les badges du Nice. Aucun Pokémon ne saurait te désobéir. Je voudrais aussi que tu prennes ceci avec toi. Il s'agit de l'une de mes cités préférées. J'ai nommé Dracoqueux. C'est un gamin. Le choc de l'impact de Dracoqueux inflige des dégâts, mais est également si puissant qu'il renvoie le Pokémon touché dans sa Pokéball. Autrement dit, c'est la force de son adversaire à changer de Pokémon. Ouais, merci. J'ai une requête à te confier. Je voudrais que tu te rendes à la Ligue pour y retrouver Goya. Pour t'y rendre, tu devras suivre la route 10, puis la route Victoire. Je ne doute en rien de la vaste puissance de Goya, mais j'ignore l'étendue de la force de ce N. Une question, Fury. Quand est-ce qu'on capture Reshiram? Attends. Écoutez l'histoire! Pardon. Hello! Comment ça s'est passé avec Watson? Je suis venu pour te faire part du résultat de mes recherches sur le moyen de nous faire revivre Reshiram à la vie. Je pensais qu'utiliser le Vokit. Pardon, je suis désolé, je t'ai posé une question absolument débile à laquelle on a eu la réponse en début de d'épisode. Enfin, on. Donc, ouais, non, my bad. Excuse-moi. Mais du coup, ça va être. J'imagine que ça va pas tarder. Je pense qu'utiliser le Vokit pour une chose pareille était très impoli. Bon, inutile de retourner autour du pot, on l'a dans l'os. Ah! Il faut que les personnes reconnaissent, il faut que le Pokémon reconnaisse une personne de valeur pour s'éveiller. Sans le sujet. C'était pas super génial. Tu as les 8 badges du Nice. Quel talent! Ah, peut-être passe du coq à l'âne, vraiment. Tu te rends peut-être pas bien compte, mais tu as bien changé depuis ton départ de Renoué. Et puisque tu as fini ton pèlerinage dans les arènes, laisse-moi te montrer où il faut aller maintenant. Elle m'a pas dit où est-ce qu'il fallait que je... Elle t'y amène carrément. Non, mais pour Richard, je parle. Elle m'a dit, bah en fait, bah tu pourras pas. Voilà, c'est tout. Même pas, c'est là-bas, mais je doute que t'y arrives. C'est non, mais laisse tomber, en fait, on va tous mourir. Passe cette porte pour accéder à la route 10 et tu arriveras au point de contrôle des badges. Traverse ensuite la route Victoire et tu atteindras enfin la Ligue. Je me rappelle avec émotion le moment où je t'ai présenté le sang de Pokémon d'Arabelle. Pouh, ça me rejeunit pas. Du mal à nous, regrettes-tu d'avoir fait ce voyage avec les Pokémon? Oui. Oh merde, j'ai dit oui! J'ai compris, pas besoin d'en dire plus. Je me figurais pourtant le sourire aux lèvres, vos petites mines épanouies et les sourires dans vos yeux quand vous avez dû choisir vos Pokémon. C'est encore la naissance d'une belle amitié entre moi et Pokémon. Là, nous, tu mérites un cadeau. Oh! Je regrette mes cadeaux. Ouais. La Master Ball! La Master Ball permet de capturer à coup sûr n'importe quel Pokémon. Ça te la coupe? Ah bah oui, tu l'as pu. C'est moins de... que j'ai de t'aider. Là, nous, quoi qu'il arrive, les Pokémon sont à tes côtés. Bye bye! Bon, la question, je disais, mais pour moi, la question, est-ce que tu regrettes d'avoir fait ce voyage? Elle n'a pas lieu d'être, quoi. Au bout d'un moment, enfin, non, quoi. Si tu fais ce voyage, c'est que. C'est juste pour les joueurs qui veulent troll ou les abrutis qui miscliquent, comme moi, voilà, c'est tout. Enfin, non, j'ai payé en fait, alors je ne regrette pas. C'est ça. J'ai payé votre jeu. Bon, enfin. À bientôt! Bon! Messieurs, dames, est-ce qu'on n'irait pas se faire contrôler nos badges? Et ensuite. Voilà. C'est tout. S'il vous plaît! Puis-je vous parler un instant? Je viens de l'entendre sur le Vokit. Il y a une terrible tempête sur la route 7. Surtout, elle n'a pas l'air de bien naturelle. Que c'est étrange. Mais tu veux que je fasse quoi du coup? Bon, j'ai compris, je vais y aller. Bien joué. Non mais vas-y. Hein. Ouais, je sais. Enfin, je me souviens plus de ce qu'il y a à faire, mais oui, je me doute qu'il faut y aller. T'inquiète, tu veux kiffer. Non, j'en sais rien. Tu sais plus? Si, je sais ce qu'il y a. Ah. Mais je sais pas. Tu vas être en mode waouh, en mode ok. Tout ça pour ça. C'est possible. Non, mais ça m'étonnerait pas. Tant que c'est pas légendaire, moi ça me va pour l'épisode. Ah, t'inquiète. Hop. Non. Non, je pense pas. Mais what, où est-ce qu'elle est? Est-ce qu'elle est la route sur cette dans ce village de la mort? La route 7.
Elle est après la grotte là? Attends, laisse-moi regarder la carte. Ah oui, elle est après le mont Forêt. Oh, je vais partir de parsemis plutôt. Ouais. T'y allais toi déjà ou pas? J'attends, je suis à parsemis. Ok, moi j'y go. Voilà. Voilà. Tranquille, j'y vois plus rien. Par la moustache de grand mémé, on est revenu. Ça va pour la tête, tu vas dans les hauts, tu vas te faire rapporter. Faut pas rester discuter de cette tempête, tu vas rappeler la mort. Viens, plus dans la chaumière, reste chaud. Quoi? Elle est folle. Oh, grosse folle. Ça pense. Ah, quoi? Putain, je comprends, j'arrive même pas à déchiffrer ce qu'elle m'a dit. Pense pas tes jolos. Toi, pour pas super virome. Tu peux boire ma bonne soupe pour chez le top là. Bon, allez, si tu veux. C'est pas mieux pour faire des manières hein, quand tu es jolo. Allez, s'il y a un Pokémon qui cause des tempêtes, Boreas il s'appelle. Il arrive partout, il faut souffler les vents pour avoir des sauts. Même grand-mémé pour avoir pas le temps. Allez, boy, ça va te réchauffer. Bonne soupe de légumes, elle est savoureuse. Mon bon légume. Ma pluie va tout ruiner! Regarde un Pokémon! Faut pas penser à le capturer sur le score! Va le par-ci, par-là, par-là! Oh là là! Alors, on va le trouver et puis je suis rentré de boîte! Je sais même pas de quel accent c'est! Fais le tour du nez sur une journée! Le matin il est dans le sud, le score est dans le nord! Votre journée il est dans le coin! Ok, cool! Tout ça pour ça! Non mais je veux pas le combattre par contre hein. Ça pourrait être l'œuvre de ce Pokémon. Je me casse, Cassos. J'en ai marre. T'as vu cette animation n'empêche. Elle est terrible hein. Ils tourneront autour de toi, on dira Aladdin. Bon. C'est ça. Putain, non, c'est pas ça. Ok, tout ça pour ça, c'est bien ce que je disais. Enfin, c'est bien ce que tu me. C'est bien ce que t'avais pré-shoot. Allez. Hop, on fait vol à Janusia et on se casse. YouTube, merci d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve dans très bientôt pour la suite de notre aventure. À Unis, on partira pour la route victoire. On capturera Reshiram et on battra. Et on ira à la Ligue. Voilà, on fera la Ligue tout simplement. Des bisous. Fufu, merci de m'accompagner. Avec plaisir. Toujours sympa. Et puis, on se dit à bientôt. Oui. Allez, donc bisous. À la prochaine. Hein. Salut. C'est ça.